Il s'agit maintenant de Monsieur François de Siebenthal de Lausanne qui s'est inscrit pour prendre la parole. Messieurs, Mesdames, Mesdemoiselles, jeunes présents ici à titre d'école, j'aimerais donner un carton jaune à toute votre équipe de direction. Mais d'abord, j'aimerais vous remercier. L'année passée, on était très fâchés parce que vous coupiez la parole de manière assez abrupte aux actionnaires. Et cette année, nous vous remercions beaucoup d'être un peu plus élégants et polis. Nous vous remercions aussi d'être venus à Lausanne, à Troyes, pour discuter avec une délégation des AAA positifs. Donc je parle au nom des AAA positifs et aussi de Monnaie Pleine. Monnaie Pleine, ce sera une espèce de référendum, un tribunal constitutionnel, car actuellement, l'équipe au pouvoir, là, viole la Constitution fédérale suisse, comme on l'a démontré. Et la Constitution fédérale suisse a été faite par nos ancêtres, et le Conseil fédéral, en 1904-1905, ont écrit qu'il ne fallait pas donner à des privés le monopole de la création monétaire. Et en fait, avec la technologie moderne, la monnaie électronique, plus de 90% de la monnaie est devenue privée, et Monnaie Pleine, c'est de la monnaie qui redeviendra publique pour le bien commun de tous. En face de ce cours-salle, l'autre côté du pont, vous avez un ogre, un Heiger, Kinderfressli, un ogre qui mange les enfants. Et là, je m'adresse à votre conscience, Monsieur Jordan et toute votre équipe, Monsieur Studer et toute votre équipe. La conscience de savoir que la finance a des conséquences sur la fécondité, la fertilité de nos civilisations. Et actuellement, il y a des ogres financiers qui dévorent nos enfants. La démographie s'écroule et les gens ont de plus en plus de peine, peut-être en Suisse moins qu'ailleurs, mais dans le monde entier. Et la finance suisse a une influence sur la finance mondiale. Et je m'adresse à votre conscience, à tous ici présents et à ceux qui nous regardent sur vidéo, que votre conscience doit vous pousser à voter oui à Monnaie Pleine. Un oui à Monnaie Pleine ouvre une grande discussion et certains disent qu'on a déjà gagné, car maintenant le peuple suisse sait que la plupart de l'argent qui circule, ça devrait être des francs suisses dont nous devrions être les propriétaires et on nous loue à nous-mêmes notre propre propriété. C'est inadmissible, c'est injuste. Nous sommes les Suisses, les francs suisses sont à nous, la Banque nationale suisse est à nous. Ça doit être une coopérative intégrale citoyenne et pas une société anonyme pour le profit de quelques-uns. On nous vole des centaines de milliards, si ce n'est pas des milliers de milliards. La piscine, le bain, on voit seulement le niveau d'une baignoire à la fin de l'année, mais on ne sait pas combien de fois cette baignoire a été remplie et vidée. Parce que l'argent actuellement qu'on nous loue, il est détruit à chaque remboursement. C'est très dur à comprendre, mais on marche sur la tête. Vous croyez que le système marche bien? Pas du tout. Le Conseil fédéral, dans le passé, en 1904, a dit « Faites attention, ne privatisez pas le bien commun de la monnaie ». Et actuellement, vous laissez privatiser le bien commun de la monnaie qui part sous des appellations suisses, mais ce n'est plus des Suisses qui contrôlent les francs suisses. L'Union de banque suisse, le Crédit suisse ne sont plus des Suisses. Vous, les Suisses, ici présents, votez oui à Monnaie Pleine. Monnaie Pleine est un tribunal constitutionnel populaire pour dire que cette équipe ne respecte pas la Constitution fédérale. Nous devons avoir 2/3 pour les cantons de la souveraineté monétaire, du seigneuriage monétaire, de la création monétaire. On crée des milliards, on multiplie par 8, par 10, on arrive à 1000 milliards au bilan de la BNS. Moi, je suis même pour qu'il ce soit plus que 1000 milliards. Mais ces 1000 milliards doivent être répartis entre tous les Suisses. Nous sommes les propriétaires du franc suisse. On n'a pas le droit de nous louer à nous-mêmes quelque chose qui nous appartient. C'est un vol, c'est un crime, c'est une escroquerie. Et KPMG et toute l'équipe ne vérifient pas les comptes en vérité. La vérité des comptes, c'est que nous sommes tous volés de montants considérables. J'ai fait un calcul, l'ordre de grandeur, si on crée une nouvelle société, une coopérative intégrale citoyenne, chaque Suisse, y compris les bébés, dès la conception, devrait recevoir l'ordre de grandeur de 80 000 francs suisses. 1000 Schweizerische Franken, 80 000, c'est beaucoup, près de 100 000. Et on peut même aller plus haut grâce au système bancaire actuel. Le bilan de la Banque nationale suisse dépassera les 1 000 milliards dans quelques mois.
Et nous avons un devoir en tant que Suisse de voter oui à monnaie pleine pour amorcer une discussion, pour remettre en question notre système qui actuellement nous mène dans l'impasse. Victor Hugo disait, a écrit, la Suisse dans l'histoire aura le dernier mot. Denis de Rougemont a écrit, encore faut-il qu'elle le dise. Et c'est à vous, ici présents, dans cette salle, de dire oui, ce dernier mot, c'est oui à monnaie pleine. Et j'espère que vous aurez le courage, tous ici, aussi vous, la direction, devant votre conscience, vous n'avez pas besoin de le dire à vos collègues, mais votez oui, s'il vous plaît, dans le secret de l'isoloir. Votez oui à une reprise en cause, reprise en main de notre avenir financier. La finance a des conséquences. Et l'ogre, dit Kinderfressli, le Eiger, qui est là, à l'autre côté du pont. Allez le regarder, c'est une fontaine qui est au bout de la rue, au bout du pont, là devant, devant le Kursaal. Allez voir cet ogre, il mange des enfants vivants. Et c'est pas qu'une image, c'est une réalité. Des familles n'ont pas d'enfants parce qu'ils sont serrés chaque mois par des finances de plus en plus dures. Dans les cantons, Monsieur Studer, vous connaissez le canton de Neuchâtel, vous savez dans quelles difficultés se trouvent les working poor en Suisse. Nous avons tous des connaissances qui ont des problèmes pour... Monsieur Sassi-Bentall, puis-je vous demander de conclure ? Je n'ai pas vu les petites lumières. Oui, je conclue. Alors, je vous laisse une minute pour conclure. D'accord. Donc, la Constitution fédérale, le Conseil fédéral au début du siècle, nous ont préavisé, c'est des prophètes. Deux tiers au canton, un tiers à la Confédération de la souveraineté monétaire, du seigneuriage monétaire, qui est mal comptabilisé dans la comptabilité de la BNS actuellement, qui est mal surveillé par le KPMG. Il faut comprendre que cette souveraineté monétaire est cachée dans les comptes et que nous y avons droit. Il faut répartir ces montants au canton. Je n'ai pas vu les petites lumières, excusez-moi. Merci. Merci.